Oui, vous savez, c'est la première rencontre que j'ai eue avec le rapporteur spécial, le secrétaire général des Nations Unies. Et comme vous le savez, avec tous ses prédécesseurs, nous avons eu de très très bons contacts, de très bons rapports, une très bonne collaboration. C'est la raison pour laquelle lui-même, se trouvant à Kinshasa comme moi-même, a estimé qu'il était important qu'il puisse avoir cette sorte de cartographie de la situation générale de la province Nord-Kivu sur le plan sécuritaire, sur le plan humanitaire, pour que dans sa compréhension, il puisse savoir quelles sont les priorités auxquelles il va faire face, surtout avec le développement de la situation sécuritaire dans la partie nord de la province, à savoir Beni, où nous avons subi quelques attaques, mais également la question des FDLR dans la partie sud, à savoir les territoires de Masisi, Rutshuru, Walikale et Sud-Lubero. Et donc, de façon générale, je vais faire cette analyse de la situation générale pour renforcer sa compréhension qu'il a déjà de par ses services. Voilà pourquoi lui-même a estimé que très prochainement, il va devoir faire le déplacement du Nord-Kivu pour qu'il soit en contact avec les réalités, qu'il soit sur terrain lui-même au regard de tout ce tableau que je viens de lui peindre.